Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur des YugiTubers. Qu'est-ce qu'un YugiTuber? C'est tout simplement un YouTuber dueliste, et donc bah, qui collectionne ou qui joue à Yu-Gi-Oh! Quoi. Et comme Yu-Gi-Oh! C'est un petit peu connu maintenant sur YouTube, et ben on trouve un petit peu de tout. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans cette vidéo, ou tout simplement si votre YugiTuber préféré n'y est pas, c'est qu'il y a de grandes chances que je ne le connaisse pas en fait. J'ai mis un peu de tout, des connus, des moins connus, et des, surtout en fait du contenu varié quoi. Et aussi l'affinité qui joue forcément, si je parle un peu plus avec vous que je vous ai jamais parlé, ben je connais pas trop votre chaîne, donc voilà. En fait cette vidéo elle sert surtout à présenter certains YugiTubers qui à mes yeux font un excellent travail, et qui ne sont pas assez vus, mais c'est pour ça que j'ai même pas 100 abonnés sur la chaîne, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que si jamais vous tombez sur cette vidéo, en fait, bah ça vous permettra de les connaître, on sait jamais. Imaginons, cette vidéo fait un buzz. Non, je déconne, ça fait peut-être faire un 20 vues. Allez, sans plus tarder, la présentation des YugiTubers. Et on commence avec Yugimoto91, qui est un YouTuber un peu spécial, étant donné qu'il est plus actif sur Twitter que sur YouTube. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu avoir plusieurs saisons de Yu-Gi-Oh! Sur Netflix, hein, je le félicite, parce que c'est grâce à ses tweets engageants, en limite, c'est presque un militant Yu-Gi-Oh! Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, parce que sur sa chaîne, vous allez découvrir toutes les displays qui sont sortis, en fait. Et il va les ouvrir dans une qualité, mais... aux petits oignons. En plus, il est super gentil, il vient sur les lives. Ensuite, je vous présente Lama le Crasher, qui lui aussi est un petit peu connu, hein, un petit peu beaucoup même dans le milieu. Déjà, parce qu'il présente énormément de decks méta et de grands duelistes qui ont fait un bon classement sur un tournoi. En plus de ça, ben, en plus de présenter les decks, ça nous permet d'un petit peu connaître les duelistes, les différents types de personnes qui existent et la façon dont ils jouent leur deck, donc c'est hyper intéressant pour savoir comment jouer en méta. J'ai eu la chance aussi de l'affronter une fois à un tournoi, il m'a dépouillé. Ouais, je joue pas méta. Voilà. Yubel Yuki, bon, je vous le présente pas trop, je pense qu'il est aussi un petit peu connu dans le milieu, mais on sait jamais. En plus d'être beau gosse avec sa belle barbe, c'est aussi quelqu'un qui sait faire des contenus très 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 intéressants, et des petites astuces aussi qui peuvent vous être utiles. Il y a aussi des ouvertures, des présentations de decks et autres. Bref, c'est vraiment sympa. Monster Reborn, alors, ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos, parce qu'en fait, ouais, c'est un petit peu ça, je vous les présente, allez voir leur chaîne, à tous ceux que je vais dire, quoi. Ils ont une spécificité, et ils ont le petit truc, en fait, qui m'a fait que je me suis abonné, ou que j'aime énormément leur contenu. Et Monster Reborn, ce que j'aime bien, c'est ses ouvertures mystères. Ça, et aussi parce qu'il fait des concepts un petit peu sympas, comme des dessins, dessiner une carte, ou des petits pixel art, et tout ça, donc c'est vachement sympa, si vous aimez bien le monde de Yu-Gi-Oh, foncez. Draco77, que je suis principalement pour les Yugi Story, parce que c'est super intéressant de découvrir un petit peu l'histoire et l'origine de certains archétypes en fait, et aussi ces petits duels rétro hein, qui sont plutôt pas mal. Mais il y a aussi le best-of de ces produits Yu-Gi-Oh! Comme ce qui a été le plus intéressant et ce qui a été le moins intéressant durant l'année. Et ça c'est sympa pour ceux qui veulent acheter tardivement. Bon, si vous ne connaissez pas Duel Link, ben c'est un jeu en ligne en fait où on peut jouer à Yu-Gi-Oh! Avec des règles un petit peu spécifiques qui ressemblent un petit peu près au Speed Duel. Et le maître dans la référence de Duel Link, c'est Alex Yuki. Que ce soit les présentations, les nouveautés ou les différents types de decks qu'on peut retrouver sur le jeu, sa chaîne, c'est une encyclopédie là-dessus. Donc allez-y, foncez. Alors Yamired, si vous le connaissez pas, foncez. En plus de vous présenter des archétypes super fun, il va vous raconter aussi l'histoire de certaines cartes. J'adore. C'est juste... c'est un travail de fou. Et puis son petit bonhomme, j'aime beaucoup. Donc voilà. Si je vous dis, un dictionnaire Yu-Gi-Oh! Quelqu'un qui connaît tout par cœur, les règles, tout, vous allez me répondre Yorisama. Et forcément, c'est la première personne à laquelle je pense quand on me parle de règles Yu-Gi-Oh! Et de choses un peu compliquées. Je lui dis, bah, allez voir Yori. Après, le seul problème, c'est que moi, la première fois, j'ai lu Jori, donc je disais Jori, parce qu'on s'est un peu moqué de moi, mais... La Team Exceed, c'est des lives super, avec des duels et des duelistes un petit peu variés, donc c'est super cool. Des événements, des vlogs super fun, mais en événement, je pense principalement à Nancy, où j'ai été et j'ai pu les rencontrer un petit peu, ils sont super cool et super gentils. Bref, la Team Exceed, c'est vraiment une chaîne très intéressante à suivre, c'est plusieurs personnes, du coup, ça permet de voir un petit peu plusieurs diversités et un travail quand même titanesque. Surtout dans l'événementiel, quoi, faut le faire pour organiser des tournois Yu-Gi-Oh! Et autres, chapeau. Si je vous dis Speed Duel, il y a beaucoup de chances que vous me répondiez « Bleh ». Et ben moi j'adore le speed duel. Et il y a une YugiTubeuse qui le présente super bien, c'est 4L. Alors je suis désolé si je pense mal ton prénom, enfin ton pseudo. Pour moi ça fait 4L. Sur sa chaîne vous allez pouvoir retrouver toutes les nouveautés sur speed duel, tous les decks que vous allez pouvoir faire, des duels et du speed duel quoi. J'aime le speed duel. Donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de présenter Zulux? Non. Ben, en fait, si jamais vous le connaissez pas, c'est des lives sur Yu-Gi-Oh! Mais pas que, hein, il faut aussi des vidéos, attends, faut pas exagérer. Mais c'est quand même grâce à Zulux qu'aujourd'hui Yu-Gi-Oh! Est un peu remonté, hein, même un peu beaucoup en fait. Parce qu'avec ses lives sur le stream, ça a permis de bien référencer Yu-Gi-Oh! À nouveau.
et c'est pas plus mal, parce que moi je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de joueurs, de plus en plus de personnes qui cherchent à faire découvrir Yu-Gi-Oh! Qui est une passion folle. Enfin bref, Zulux, je te mets dans le top, mais je pense que t'es quand même un des plus connus, donc voilà, mais cœur sur toi mec. Si je te dis ton youtubeur Yu-Gi-Oh! Préféré, tu vas me dire Obscurity. Et c'est normal. Des ouvertures, des présentations de produits à venir, et des ouvertures complètement fous, comme ouvrir des boosters en pleine nuit quoi. Bref, j'adore Obscurity. En plus, un mec super cool. Et pour terminer, une autre personne qui est assez connue, mais on sait jamais, peut-être que vous connaissez Doc7, mais vous ne saviez pas qu'il est aussi un gros joueur Yu-Gi-Oh! Sur sa chaîne secondaire, Le Labo, où vous pourrez retrouver des duels, des ouvertures, mais surtout une collection aux petits oignons. Bref, c'est un collectionneur, c'est dantesque. Du coup, le principe de la vidéo, c'était de principalement faire découvrir des chaînes Yu-Gi-Oh! À des personnes qui connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler. Alors je sais bien que c'est pas ma petite chaîne avec quelques abonnés qui va faire la différence, mais supposons que la vidéo se perd dans les tréfonds de YouTube et qu'une personne tombe dessus, bah, ça permettra à certains qui sont peu vus d'avoir plus de visibilité et d'autres de savoir un petit peu où se situer en fonction de leur contenu quoi. Parce qu'il y a énormément de choses à faire avec Yu-Gi-Oh! Même si les duels sont intéressants, j'ai déjà entendu des débats de « Oui, mais tout le monde fait des ouvertures !» Ouais, mais on n'a pas tous la même chose dans les ouvertures, c'est ça qui est drôle. C'est un peu qu'ouvrir une boîte mystère, c'est un petit peu comme découvrir quelque chose. Moi, je trouve ça fun. Je trouve ça morose qu'on ait tous la même chose dans chaque pack, quoi. Après les ouvertures de deck, il y a aussi le YouTuber qui fait la chose, il y a le contenu, il y a l'ambiance, il y a des viewers qui vont vouloir des Yu-Gi-Tubers hyper actifs, et d'autres qui vont vouloir des plus calmes, d'autres qui vont vouloir juste voir la carte, et d'autres qui vont voir la description complète avec une façon de le jouer et autres. Il en faut pour tous les goûts. Et c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu parler de tous les Yu-Gi-Tubers que je suis, ou que je connais, ou alors tout simplement dont j'apprécie le contenu. Donc voilà, encore désolé pour ceux qui n'y sont pas, c'est que c'est pas parce que j'ai choisi que vous vouliez pas y être. En vrai, j'aime tout le monde, hein. je suis quelqu'un, j'ai le cœur sur la main. Enfin, je fais le cœur avec ma main plutôt. Mais c'est principalement parce que soit je connais pas votre chaîne, en vrai, il n'y a pas d'autre raison, quoi. Parce que s'il y a du contenu du Yu-Gi-Oh! Et que j'aime beaucoup ce que vous faites, je m'abonne. Donc voilà. Sur ce, je vous conseille donc de vous abonner aux chaînes que j'ai dites, si c'est pas déjà fait, et de vous abonner à la mienne si ça vous a plu, et si vous aimez aussi du contenu du Yu-Gi-Oh! Puisque j'en fais aussi. Oui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et en attendant, que la passion vous guide. Ciao !